Le 14 janvier 1978, c'est le dernier concert des Sex Pistols, le groupe punk emblématique. Grell Marcus y assiste en ayant le sentiment que se joue là un événement majeur. Lui, en tout cas, il a cette vision-là. Malheureusement, c'est plus trop le cas aujourd'hui. Mais après, ce qu'il en reste de ce mouvement punk, c'est surtout une volonté de pouvoir faire de la musique autrement. Les gens en avaient marre de ces longs solos, de ce star system et toutes ces choses-là. Et ce qui en ressort aujourd'hui, en tout cas même à travers nous, notre musique ou tous les gens qu'on côtoie, c'est cette sorte de liberté qu'on a de pouvoir, si ce n'est de monter un groupe, puisque c'est déjà fait, mais même si je dis toujours monter un groupe c'est facile, mais rester un groupe c'est extrêmement dur, mais de pouvoir aborder la musique de façon complètement décomplexée. Par exemple, l'improvisation était simplement quelque chose pour le jazz ou pour toute cette musique un peu érudite, il fallait avoir fait le conservatoire, ces choses-là, et aujourd'hui, en fait, grâce au punk, en fait, on peut prendre n'importe quel instrument et se lancer si on a cette énergie un petit peu naïve et croire à cette espèce de feu. En tout cas, ça donne cette liberté de pouvoir appréhender n'importe quel instrument jusqu'à ce paradoxe-là qui est de pouvoir improviser alors qu'on n'y connaît rien.